Le dernier épisode au Brésil a sonné le début d'un nouvel épisode ici en Argentine. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode Street Food et c'est le premier ici en Argentine. Alors pour tous ceux qui ont manqué tous les épisodes précédents du Brésil, c'est pas grave, je vous les afficherai juste ici. Et pour ceux qui me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Ben et à l'heure actuelle où je vous parle, je suis à Rosario en Argentine et je réalise en fait un petit road trip de l'Amérique du Sud, en fait des pays que je n'ai pas pu faire auparavant il y a 3 ans quand je suis venu pour la première fois en Amérique du Sud. Donc j'ai commencé par le Brésil et nous sommes ici à l'heure actuelle en Argentine et bientôt je serai en Uruguay et si tout va bien au Chili et en Bolivie. Donc là c'est le premier épisode Street Food. Pour ceux qui ne connaissent pas Street Food, c'est de la nourriture typique en fait des pays, mais on vient manger dans la rue parce que ça clairement c'est mon mode de vie en fait en voyage, la street food. Et aujourd'hui je vous propose une street food d'un plat typiquement argentin qui s'appelle le milanes. Alors je ne sais pas vraiment ce que c'est, d'après notre amie Micaela qui est juste ici. Comment est-ce que ça va bien? Micaela en fait qui m'héberge ici à Rosario, elle m'a dit Ben faut que tu testes absolument le milanes, c'est une spécialité de chez nous. Du coup je dis ok, mais il y a pas une petite version un peu street food? Donc on s'est baladé ici dans Rosario sur les bords du fleuve, le Rio comme on dit ici en espagnol, et on a trouvé cette petite street food des familles qui font du milanes. Et apparemment d'après ce que j'ai compris c'est un petit sandwich avec de la viande tout ça. Bref, vous savez quoi, on va aller en commander un et on va voir exactement c'est quoi. Let's go. Et bah voilà, je vous présente officiellement le milanes. C'est ce sandwich composé en fait d'un pain et de viande. Et je me demande si c'est pas en référence en fait à l'escalope milanaise, parce que comme vous le savez, il y a beaucoup d'Argentins qui ont des origines italiennes. Et le sandwich à l'intérieur, c'est de la viande, m'a-t-on dit, de bœuf. L'escalope milanaise, normalement, il me semble que c'est de la dinde. J'ai un doute, je me souviens plus. En revanche, ça m'a l'air très bon. Alors moi, j'ai pris la version spéciale. Et la version spéciale, ils te rajoutent un œuf et du fromage. Et en supplément, si tu veux, ils peuvent même te rajouter du bacon. Donc j'ai pris cette version-là. C'est en mode salade, tomate, comme si c'était un kebab. En revanche, pour de la street food, c'est assez cher, hein. J'en ai eu pour 150 pesos. 100 pesos le sandwich spécial, normalement 90 le normal, 100 le spécial, ça fait à peu près 4 euros 100 pesos. Et j'ai rajouté à cela 50 pesos pour avoir des frites, ce qui fait à peu près 2 euros. Donc j'en ai eu pour 6 euros en tout. Franchement, c'est limite plus cher qu'un grec en France quoi. Mais bon, faut bien tester la nourriture locale d'ici. En plus, moi j'adore la street food, hein. Normalement, la street food c'est censé être pas cher, c'est pour ça que c'est la nourriture des voyageurs en fait. C'est pas grave, il faut bien goûter aux spécialités d'ici. Donc du coup, voilà à quoi ça ressemble. Buen provecho. Elle aussi, elle a pris le même et on va pouvoir tester milanesa. Milanesa. Muy rico, hein. Très très bon. Alors j'ai pris une petite sauce à l'intérieur. Il y a une sauce spéciale d'ici, ils appellent le chimichurri. Voilà à quoi ça ressemble. C'est une sauce avec de l'origan, de l'huile. C'est un peu acide. Je sais pas tout ce qu'ils mettent à l'intérieur. Alors, avec les frites, c'est pas bon du tout. En revanche, dans le sandwich, c'est pas mal. Regardez, franchement, ça donne envie, hein. Te gusta? Muy buena. Si? Elle est fan, hein. En même temps, elle est d'ici, elle, hein. Elle ne peut que aimer. Non, mais c'est vrai que c'est très bon. En revanche, c'est un petit peu cher, je trouve, par rapport à ce que c'est. Mais bon, il paraît que l'Argentine, c'est l'un des pays les plus chers d'Amérique du Sud. Et moi qui ai fait auparavant Colombie, Équateur, Pérou, il y a 3 ans, mais cette année qui est fait Brésil, c'est vrai qu'au niveau de la street food c'est un peu cher. Mais là c'est un food truck, donc c'est pas la vraie street food, les petits marchands dans la rue. Ce que je vous propose, c'est qu'on mange ça tranquillement et qu'on se retrouve après pour la conclusion, ok? Buen provecho. Buen provecho. À l'espagnol, oh. Merci espagnol LV2. Alors les frites, elles sont pas mal ici, parce que ce sont de bonnes grosses frites. J'aime bien. Malheureusement, elles sont un petit peu froides, hein. Mais elles sont bonnes. On
On attaque la deuxième partie du Milanesa. C'est beau hein, comme ça, toutes les couleurs, on dirait un arc-en-ciel. Look like rainbow. White, yellow, green, red. Alors, je vais pas vous dire ce que j'en pense tout de suite. Je me réserve pour la conclusion. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est très bon. Et ben voilà, terminé la Milanesa. Alors ça c'est de la vraie street food comme j'aime hein. Comme ça dehors, au contact des locaux. Il n'y a pas mieux hein, que ça en voyage concrètement. Par contre, il y a juste un petit peu de bruit ici avec le générateur. Donc je propose qu'on aille un tout petit peu plus loin pour faire la conclusion. Ben voilà, on est mieux là pour faire la conclusion hein. Il y a moins de bruit, on est en face juste du fleuve. C'est parfait comme endroit. Et puis tu vois, quand tu viens de manger comme ça, tu peux venir te poser tranquille, boire une petite bière avec tes amis, ce que tu veux, un petit maté. Ça c'est vraiment le kiff de Rosario ici. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de ce Milanesa? Alors, c'est très bon. En revanche, la viande, par moment, elle était un peu chewing-gommeuse. Et ici, je sais qu'ils aiment bien manger la viande très cuite. Alors, je sais pas si c'était le bout que j'ai eu qui était un peu chewing-gommeux ou si c'était parce que la viande était très cuite. Mais par moment, tu vois, il y avait des endroits où c'était passable, on va dire. Mais sinon, c'était très bon. Et j'ai demandé si ça existait des versions au poulet, par exemple. Parce que je me disais, avec du poulet, ça pourrait être vraiment très bon. Et du coup, Michaela m'a dit, ouais, ça existe au poulet. Tu peux même trouver ça avec du poisson, tout ça. Après, ce que j'en ai pensé, c'est que pour de la street food, c'est un peu cher quand même, 6 euros. Hein. Welcome to Argentina. Concrètement, avec 6 euros en Thaïlande, tu peux manger 6 fois de la street food. Ou même dans d'autres pays, style le Pérou, tu peux manger aussi autant. Mais c'est comme ça, ici apparemment beaucoup de choses sont très très chères. C'est l'un des pays les plus chers d'Amérique du Sud comme je vous ai dit. Et ben voilà, j'étais ravi de vous faire cet épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le liker. Si vous connaissez la Milanesa parce que vous êtes déjà venu en Argentine ou vous en avez déjà mangé ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je sais pas ce que vous attendez. Entre tous les épisodes que j'ai sortis avant au Brésil, les nouveaux là que j'ai sortis en Argentine, de mes vlogs qui sont juste absolument géniaux, oui je sais parce que c'est moi qui les ai faits, et de mes épisodes également de street food, et ben vous avez tout perdu hein, si vous n'êtes pas abonné. Bref, sur ce les amis, je vous laisse. N'oubliez pas d'aller checker mes réseaux sociaux pour suivre mes actualités. Facebook, Instagram, Twitter, c'est Ben & Co. Snapchat, c'est Ben & Co. Snap. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de manger de la street food, n'oubliez pas de voyager, mais surtout n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ciao, ciao, ciao. Hasta luego. Hasta luego. Los amigos. Amigos de Francia. Amigos de Francia. Ciao.